Hello! Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi, dernier jour avant le week-end, et mon œuf me fait beaucoup trop mal. Mais bon, on s'en fout, je me suis réveillée, enfin mon réveil m'est réveillée il y a un peu moins de 10 minutes. Donc là, je me suis habillée, j'ai mis mon pantalon Bershka, là j'aime trop franchement ces pantalons. Je crois que je vais retourner à Bershka en fait, parce que j'ai vu qu'ils avaient des nouveaux jeans la dernière fois que je suis allée, mais j'avais pas trop de sous pour aller l'acheter. Et voir si celui-ci en tout noir il est dispo ou pas, parce que franchement, ces pantalons sont tellement confortables, tu te sens tellement bien dedans que j'aimerais trop en avoir d'autres. Et un petit chemisier qui vient de je ne sais où qu'il faut que je fasse attention parce que si je me penche, on voit tout à l'intérieur de mon t-shirt. Donc habituellement je filme pas le matin comme ça ou juste je filme mon petit déj juste comme ça sans parler parce que tout simplement d'habitude à ce temps-là mon copain dort. Là aujourd'hui il avait un inventaire là où il bosse. Il devait être au boulot à 5h30, le pauvre il a dû se lever à 4h30. Oh, oh là là. En plus il arrivait pas à se coucher tôt hier soir. Et regardez-moi ça, bon vous verrez plus rien, mais je l'ai converti au bowl cake, voilà. Sauf que lui il met une cuillère de Nutella à l'intérieur et moi je mets du chocolat noir. Je l'ai entendu parce que écraser une banane ça fait du bruit. Bon sinon il y a quasiment plus de flocons d'avoine là-dedans, donc j'ai sorti le gros truc de flocons d'avoine My Protein. Mais regardez ce truc, on dirait que c'est un truc pour nourrir les poules tellement il y en a quoi. Mais ils ont mis une petite truc comme ça, mais je pense que je vais acheter des pots en verre parce que sortir ça tous les matins c'est un peu la galère. Acheter d'autres pots en verre de ce style ce sera plus simple je pense. Bon sinon les flocons d'avoine My Protein sont beaucoup plus gros, ça sent. Et dans ceux-là, il y a du gluten et ceux de MyProtein, c'est sans gluten. Hier, je devais recevoir un colis MyProtein, n'importe quoi, d'Adiel Wellington, l'après-midi. Et j'ai reçu un mail me disant qu'ils sont passés et que j'étais pas là. Donc pile quand je suis allée à la pharmacie, quoi. C'est un peu bête. Et du coup, je pense que le truc doit être dans la boîte aux lettres. Donc il faudra que j'aille voir pour aller chercher parce que je pense savoir, enfin si c'est au même endroit que la dernière fois, que j'y aille en rentrant des cours. Parce que j'ai cours du coup de 8h30 à 10h15 ou 10h30, je sais plus. Bon, il est déjà 7h38, il serait peut-être temps que je prépare ma face. Voilà, j'ai bien mangé. Mais maintenant, il faut préparer sa petite face. Donc mon cours d'aujourd'hui, c'est de la psycho. Voilà, j'aime pas trop la psycho. Et en plus, c'est un cours facultatif, mais bon, j'y vais quand même. Sinon, j'ai enlevé mes boucles d'oreilles. Je sais pas si vous aviez vu, j'avais des nouvelles... Ah, celle-ci, des nouvelles boucles d'oreilles comme ça. Et en fait, j'avais acheté ça à Primark, c'est 3€, il y en avait plein. Sauf qu'en fait, on aurait commencé à devenir verte. Donc je vais pas les remettre et je vais... mettre du vernis là pour pas que ça s'abîme en fait. Donc voilà, je vais en mettre une autre paire aujourd'hui juste là pour les cours parce que je suis sans boucle d'oreille sinon. Donc franchement elles sont toutes mignonnes hein, pour 3€. Vous avez des... En plus j'ai pris celle or et rose gold quoi. Parce qu'il y en avait d'autres mais du coup je sais pas, je vais mettre lesquelles. Je pense que je vais mettre des... J'aime bien les... En vrai ça s'appelle des perles de culture je crois. Et ma maman elle m'en a... Enfin mes parents m'en avaient ramené qui venaient de Majorque. Enfin c'était des belles perles. Et le crochet s'est abîmé et j'en ai perdu une. C'est toujours mon souci avec les boucles d'oreilles. Au bout d'un moment le crochet s'abîme. Voilà. Donc là dans celle-ci en fait derrière il y a genre deux systèmes. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc vous avez le petit crochet couleur or là. Qui fait très faux or. Hein, plus le petit truc en plastique. Donc j'ai mis les deux. Je me suis dit au moins... C'est sûr, ça tient bien quoi. Donc voilà, j'aime bien ce genre de petites boucles d'oreilles. Bon, parti. Il serait peut-être temps d'y aller. J'ai mis le... J'ai encore loqué le Kristen de Kylie. Il est 8h. Voilà, il serait peut-être temps de se bouger, hein, Emma. De toute façon, je suis prête, mon sac est prêt. Je mets mes shoes et let's go. J'ai récupéré le petit papier pour la montre. Et c'est bien dans le roulé-colis que je pensais, là où il y a le... de vidéo, donc du coup j'allais chercher en sortant des cours. Je sais déjà ce que c'est et je pense que si vous me suivez vous savez que je suis en partenariat avec Daniel Wellington. J'ai pas l'impression que j'ai un cours, je sais pas pourquoi. Ce matin j'ai été genre pépère, j'ai pris tout mon temps. L'impression d'être... je suis bon. Puis ça devrait aller comme ça pour facultatif, je pense qu'il y aura pas énormément de monde. Bah après il y aura quand même... enfin il y a toujours quand même du monde dans les trucs facultatifs. Où est mon chargeur de téléphone? Bon voilà, je suis arrivée, je viens de me garer, j'attends Charline, voilà, il est 8h14, ça va. Hein. Donc voili voilou. Et sinon en ce moment, dans la voiture, j'écoute tout le temps que Riles et Damso, c'est genre, j'écoute que les deux artistes. Hello, j'ai terminé les cours, donc là je me suis garée et je vais chercher mon petit colis au relais colis. Allez, ça y est. Ça y est, petit colis récupéré, on ouvrira ça en rentrant. Je suis désolée, il y a trop de bruit, il y a des travaux. Donc retour à la voiture et retour à la maison. J'ai vu qu'il y avait des colis à aller chercher à la poste aussi. Sauf que ils disent qu'on peut aller les chercher à partir du lendemain
14h et donc j'irai après les cours stables, je finis à 15h. Je peux pas y aller maintenant parce qu'apparemment il y sera pas. Donc bon. Bon alors, en ce qui concerne les colis, je suis allée à la boîte aux lettres, il y en a deux autres. Donc la petite boîte Daniel Wellington, franchement, j'adore les packaging comme ça, là ils sont trop jolis. Et donc j'ai reçu la classique petite, et en fait ils l'ont fait en... Ils ont lancé leur bracelet en cuir pour la classique petite, donc elle était sortie avant comme celle que j'ai au poignet en fait, mais avec, donc vous voyez le bracelet comme ça... Or, et ils les ont lancés donc avec le bracelet en cuir, donc j'ai choisi celui-ci qui fait un peu genre écaille et je trouve super joli, voilà, toujours avec le fond noir parce que je trouve ça très très joli. Elle est à l'heure en plus, donc voilà, je suis super contente. Ils sont sortis il y a pas longtemps, j'aurais dû recevoir avant que ça sorte, mais il y a eu un petit souci en fait, ma commande était pas partie, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je suis super contente et j'ai un code promo bien sûr, je vous mets tout ça dans la barre d'infos et je ne gagne absolument rien sur ce que vous achetez ou pas, si vous utilisez mon code promo ou non. Ensuite, le petit lunetier m'a envoyé un message pour savoir si je voulais recevoir encore une nouvelle paire. Donc j'ai choisi encore une paire de lunettes de soleil. Je me dis que peut-être que ça fera venir le soleil. Donc j'ai choisi cette paire-ci. Coucou. Donc en fait, les verres sont un peu rosés et elles sont noires et or. Enfin, de toute façon, vous voyez. Donc voilà, j'ai trouvé super jolie. La prochaine fois, peut-être que je prendrai une paire de lumières bleues parce qu'elles sont jolies quand même. Et donc voilà ce que ça donne sur ma face. J'aime beaucoup ces lunettes. Le seul truc que j'aime moins, en fait, c'est que c'est des petits trucs comme ça là. Et qu'au bout d'un moment ça fait un peu mal en fait, mais elles sont super jolies, donc toujours dans le petit emballage qu'ils envoient tout le temps comme ça, avec le petit chiffon pour les nettoyer. Et dernière chose, mais je croyais que je ne l'avais pas commandé, j'en avais parlé sur Snapchat que je voulais un nouveau protège écran pour mon MacBook. Parce que moi j'ai celui-ci, et je sais pas si vous voyez les lettres les plus utilisées, voilà, c'est hyper abîmé. Et il gondole un peu en fait en bas et il est noir, et le problème c'est que quand vous mettez la luminosité, bon là on voit pas trop parce qu'il fait pas nuit, il fait pas nuit, mais la luminosité dans les touches, bah en fait ça se voit pas à travers. Bon, vous voyez que les touches en fait avec le plastique se sont un peu salies, mais bon, c'est en dessous. Et ça protège hyper bien, ça m'a sauvé la vie, je pense qu'il serait peut-être mort parce qu'un coup, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais renversé du jus d'orange, il y en avait un peu qui était passé là mais rien dans les touches. Et du coup il a survécu, voilà. Et j'en avais marre donc de celui-ci, donc j'en ai commandé un transparent, mais il me semblait ne pas l'avoir commandé. Ce matin j'en ai recommandé un parce qu'il me semblait que je l'avais pas commandé. Je suis vraiment mes têtes en l'air, mais n'importe quoi. Donc du coup si j'en ai recommandé un, je le garderai quand celui-ci sera un peu usé. Mais bon, je pense que ça met du temps pour s'user. J'arrive pas à le décoller, il est collé. Et bah celui-ci ne va pas avec mes touches, je sais pas si vous voyez. En fait les trucs du dessus et les trucs du bas sont trop petits. Donc bah en fait c'est un gros flop. Donc j'ai peut-être bien fait d'en commander un nouveau, mais je comprends pas, je vais revérifier. Mais il me semble bien que c'est écrit pour MacBook Air 13 pouces. Donc je comprends pas trop, par contre j'aime bien. Du coup ça fait un effet un peu je sais pas, gris du coup, ça fait pas noir comme ça. Je pensais que ça allait être plus transparent, mais du coup voilà, ça ne va absolument pas pour mes touches. Donc gros fail. Donc voilà pour les colliers. Bah du coup je vais remettre mon ancien protège-clavier, hein. Et puis du coup il y aura deux autres colis cet après-midi. Donc là je crois que mon copain il rentre pas manger ce midi, mais je suis pas sûre, je lui ai renvoyé un message, en fait il était pas sûr. Et ça se peut qu'il bosse jusqu'à 19h ce soir en fait. Soit il a fini avant et il rentre vers 15h. Ou sinon voilà, mais 5h30, 19h. Bon après ça fait des heures sup, c'est cool, mais ça fait long quoi. Donc là je vais ranger un peu tout ça là, tout ce bazar. Je vais garder les emballages que je peux réutiliser pour envoyer mes colis. Et je suis désolée, je mâche un chewing-gum, je vais le jeter, c'est insupportable. Et le truc c'est que je n'ai pas monté le vlog d'hier aussi, donc faudrait en fait que je fasse la vaisselle, que je fasse à manger, que je monte le vlog. Et il est, ça va, il est 10h52, j'aurais bien voulu bosser un petit coup mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Après je peux faire ça cet après-midi, mais voilà, faut absolument que je monte le vlog. Et en plus je pense que c'est un vlog qui sera assez long, j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé hier. Je ne sais pas, on verra bien. Appareil photo dehors pour filmer ce joli temps comme il fait beau et qu'il ne pleut pas. Donc là 11h47, faut que je fasse à manger, je sais pas ce que je veux manger. Je pense que je vais manger un petit avocat en entrée parce que celui-ci commence à être plutôt moelleux on va dire. Et sinon je crois que je vais me faire les raviolis ricotta épinards sans gluten parce que on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, tu peux pas manger ça pour deux. Donc je vais sûrement me faire ça, voilà, ce sera tout simple hein. Allez, c'est parti, c'est l'heure de donner à manger aux poissons. Hey!
Et oui, c'est ouvert les gars. Là ils sont à la recherche de la nourriture, ils ont vu que c'était ouvert. Maintenant même les néons ils comprennent quand je vais leur donner à manger. Non mais on dirait vraiment qu'ils sont affamés et qu'ils ont jamais à manger quoi. Ils sont complètement fous. Voilà, du coup je vais me mettre Pretty Little Liars et il y en a beaucoup qui me demandent sur quoi je regarde. Donc en ce moment je regarde beaucoup sur Viva Stream. Bon, j'ai commencé à faire la vaisselle mais j'ai pas terminé parce que là tout simplement il est 13h et que je reprends à 13h30. Donc du coup je vais aller me laver les dents. Je sais pas si vous voyez mon rouge à lèvres comme il est tellement bien tenu pendant que j'ai mangé. Franchement les Kylie c'est pépite, j'adore. Donc ouais, je vais me laver les dents. Pas très pratique avec du rouge à lèvres mais bon. Voilà, me laver les dents et puis ensuite partir tranquillement. Donc c'est pas un long cours, c'est pas vraiment un cours en fait. On va faire un rendez-vous en groupe parce qu'en fait on est plusieurs par groupe avec un prof et on va donc parler de nos stages, préparer nos objectifs de stage, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est un truc assez sympa. Petit groupe, on n'est pas beaucoup, donc voilà, je vais me laver les dents et à toutes. Ça y est, cours terminé. Je rentre à la maison, je suis un week-end. Mais de révision, voilà. Et du coup, je sais pas trop à quelle heure va rentrer mon copain, on verra bien. Mais voilà, je suis rentrée à la maison. C'est bon, je suis arrivée. Je vous jure, les gens sur la route, j'ai envie de les frapper quoi. Entre les bus qui se pensent tout seuls et qui roulent au milieu de la route, que t'es obligé de te mettre sur le côté. Et genre, j'ai un pneu du coup qui a touché le trottoir parce que j'ai dû tellement me mettre sur le côté. Le gars il tourne, il y a pas la place quoi. Voilà, et comme ça, un bus et qu'il est plus gros, bah il s'en fout. Ou sinon, quand t'es dans un rond-point, que tu fais tout le tour et que la personne qui arrive là, bah hop, elle regarde droit devant. J'ai même pas klaxonné, j'ai jamais le réflexe de klaxonner, faudrait que je commence à prendre ce réflexe. Elle me regarde même pas, elle m'adresse, elle me regarde et tout. Hein. Donc heureusement que je fais gaffe, parce que si je faisais confiance aux gens qui conduisent, je me serais pris une voiture, voilà. Et comme ça aurait été de sa faute quoi, mais bon, on va mieux éviter. Enfin voilà, les gens ils conduisent un peu n'importe comment aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petits coups de gueule sur la route, voilà. Parce que vu que j'ai moins de temps de voiture, bah j'ai moins le temps de croiser des gens qui conduisent n'importe comment. Mais voilà. Et c'est pas de ma faute si les gens roulent au milieu de la route quoi. Ils sont un peu relous et ils se pensent tout seuls. Puis hop, ils me voient arriver, oh bah tiens, même pas ils se serrent quoi. Ils se disent, bon, c'est bon, elle va serrer. Et si jamais moi je me serre pas non plus, ça fait quoi? Bon là je vais pas vraiment me poser, je vais juste prendre mon téléphone, ma carte d'identité, enfin mon permis parce que je sais pas où est-ce que j'ai rangé carte d'identité. Tout simplement pour aller à la poste chercher mes colis, j'espère que c'est pas des gros colis parce que du coup on en a deux. Donc voilà, je vais aller faire ça, je pourrais, moi j'ai pris ma carte vitale n'importe quoi. J'avais dit je pourrais envoyer d'autres colis genre du concours et tout mais là j'ai vraiment pas le temps, il faut vraiment que je rentre pour réviser. Parce que voilà c'est un peu plus important que d'envoyer des colis. Je suis tellement habituée d'avoir des colis et tout que en fait j'ai pas fait gaffe, il y avait un des trucs, c'était pour mon copain et c'est avec signature et tout et puis comme ça a son nom bah forcément je peux pas le récupérer parce que pour sa carte. Mais moi je vais même pas regarder les noms, j'avais pas fait gaffe donc tant pis. J'espère qu'il rentrera avant que ça ferme la poste, c'est pour aller chercher. Bon ce n'est fait toujours aussi moche dehors hein, sauf que il fait chaud par contre, il fait lourd en fait. Et genre il y avait un petit peu d'orage ce matin, c'était bizarre mais pas un vrai orage, juste ça grognait un peu. Donc voilà, le colis, c'est Woman's Best. Donc pareil, si vous me suivez, je pense que vous devez commencer à avoir l'habitude de voir des trucs Woman's Best parce que je suis en partenariat avec eux. Mais il n'y a pas toute ma commande en fait. Donc là, il y a la brassière noire Woman's Best simple et un legging. Donc j'ai pris celui avec les rayures. Voilà, sinon il y avait le tout simple noir. Et j'ai décidé de prendre celui-ci. J'aimais bien, voilà. Ça change, normalement j'avais pris autre chose. Voilà, en fait, normalement, donc j'avais bien pris ce legging, cette brassière, mais j'avais pris aussi le legging camo, en fait. Et ben là, je l'ai pas, donc je sais pas si ça arrivera dans un deuxième colis ou pas, mais il me semble pas, enfin, c'est bizarre. Du coup, j'ai envoyé un petit message parce que je parle avec quelqu'un de Woman's Best, en fait, on parle par WhatsApp. Plus comme ça, en plus, ça me fait travailler mon anglais. J'utilise quasiment jamais le traducteur et ils me comprennent, donc voilà. Je dois sûrement faire des fautes d'anglais, hein, mais au moins, ils me comprennent. C'est le principal, il est 15h30. Je vais réviser un peu avant de goûter mais j'ai un peu la tête là. En tout cas mes médicaments me soulagent beaucoup mieux pour mon dos. Je me sens un petit peu toujours un peu fatiguée mais ça c'est normal parce que je prends quand même pas mal de médicaments qui, voilà, quoi, qui sont assez forts on va dire. Mais au niveau du dos c'est, je suis trop contente quoi. Donc j'espère que ça a vraiment soulagé mes petits muscles. Mais du coup le mal de tête, c'est assez souvent mais bon franchement je préfère avoir un peu mal à la tête que avoir mal au dos, c'est sûr. Bon sinon j'ai essayé la montre et je trouve qu'elle rend plutôt bien aussi avec un petit bracelet en cuir. J'ai l'impression qu'elle est plus petite comme ça alors qu'en fait elles font exactement la même taille mais j'aime beaucoup. Voilà, j'ai décidé que j'allais mettre les deux.
Non, je rigole. Mais en fait, du coup, si vous savez pas, en fait, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de racheter une montre pour les cadrans. En fait, vous pouvez juste acheter le cadran, quoi, le rond à éclairs, et changer de bracelet. Vous avez tout à l'intérieur pour changer, donc vous pouvez acheter autant de bracelets que vous voulez. Et les changer, il faut juste faire gaffe que ce soit bien adapté au bon modèle de la montre. Mais du coup, c'est trop cool. D'ailleurs, j'en ai une autre avec un fond noir, mais elle est plus grosse. Je sais pas si vous allez voir, je pense que vous voyez. Elle est plus grosse. Et j'en ai des autres, des Daniel Wellington. Donc j'ai celle-ci, pareil, celle-ci j'ai changé. Avant c'était pas celui-là de bracelet. J'ai celle-ci aussi en marron. Et j'en ai une argent. Et d'ailleurs en remettant le bracelet, je l'ai mis à l'envers. Oups, je voulais dire, vous pouvez voir par rapport aux autres. Et normalement en fait j'en avais une aussi qui était bah, comme ça en fait. Mais en couleur or. Mais je ne sais pas où elle est. Voilà, Daniel Wellington, c'est la base, hein. Donc on va ranger celle-ci et que les autres. Non, en vrai, je les trouve classe, leurs montres, elles sont super cool. J'aime beaucoup, voilà. Sinon, j'en ai des autres que je ne mets absolument jamais. Pourtant, celle-ci, je la trouve cool, hein, mais je crois que les piles marchent plus ou je sais plus. Il y a un souci, celle-ci, elle me va trop grande parce que j'ai un petit poignet. Celle-là, c'était genre ma montre préférée quand j'étais genre au lycée. Et sinon, il y en a une que j'aime bien aussi, c'est celle-là de la marque Triwa. Et en plus vous avez la date, voilà, donc je trouve ça cool, mais quoi la date qui est écrite là? En tout cas elle est cool aussi, mais elle s'était échappée. Donc non non non, je n'aime pas les montres, c'est pas vrai. Non, en vrai j'adore ça, je sais pas, je trouve que je préfère mettre une montre qu'un bracelet en fait, genre c'est la base. Je suis trop contente, en fait aujourd'hui c'est la fête internationale des infirmières. Et du coup il y a une personne qui prend en charge les plateformes digitales de l'édition de L'Opportun. Je connais pas du tout cette édition de livres. Et du coup ils m'ont contacté pour m'envoyer ce livre. Donc je trouve ça super cool et super mignon, voilà, d'avoir pensé à moi. Donc je suis plutôt très très contente, hein. Je vais dire oui, voilà, je ne suis pas payée, c'est juste le recevoir comme ça. Mais c'est gentil, j'aime beaucoup. Je suis en train de vérifier pour voir ce que je viens de commander. Comment dire, pour mon clavier, et j'ai bien pris le français 13 et 15 pouces, et je vais regarder l'ancien. J'ai commandé pour vous voir parce que ce que je vous ai montré, ça allait pas du tout quoi. Bon, déjà il y a un truc que je comprends pas, c'est que la livraison était prévue entre le 19 et le 30 mai et qui dit qu'il est pas livré, alors que moi je l'ai reçu, hein. Ok, en fait c'est ma faute, j'avais pas vu, c'était pour 11 pouces. Bon bah si jamais vous avez un MacBook Air 11 pouces, je peux vous vendre cette chose. Voilà, parce que moi du coup bah ça va pas. Bon finalement j'ai voulu faire la vaisselle un peu avant parce que je voulais finir de laver ce qui restait. Et puis surtout le gros bac là pour le remettre dans le frigo et tout ranger les légumes qu'on avait achetés hier. Je laisse un peu sécher mais je pense que je vais pas attendre qu'il sèche complètement parce que ça risque de mettre du temps. Donc je l'essuierai après, mais là je laisse un peu sécher tout seul, voilà, pour que le plus gros sèche. Et mais il y a du soleil d'un coup. Mais il fait toujours le ciel un peu gris, mais il y a du soleil. Bon c'est parti, je vais mettre une petite vidéo sur YouTube et je vais préparer mon goûter. Bon j'ai pris tout ça, hein, j'utiliserai pas forcément tout ça, mais quand je me suis pris tout ça, moi je sais que j'en aurai assez. Donc petit jus, orange, enfin c'est plutôt mandarine et clémentine. Du beurre de cacahuète avec du pain complet et carré frais. Généralement je fais deux beurres de cacahuète et deux carrés frais, voilà. Bon, mon copain m'a dit que normalement il devrait pas tarder à rentrer. C'est bizarre qu'il rentre aussitôt, mais du coup c'est cool. Bon, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Ce soir on va normalement dans un resto sushi à volonté. J'aime pas trop ça, mais après ça dépend. Enfin, il y en a certains que je trouve que j'aime bien. Voilà, avec un pote, il nous invite, tout ça, donc c'est cool. Donc moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et à demain.